Qu'est-ce qu'on boit? On va boire la Coco Katana Brasserie Sense, du coup, qui se trouve à Reims. On est sur une double IP à 8,5 degrés, travaillée avec du sabro. On va goûter ça tout de suite. La Coco Katana. La prochaine fois, tu le fais avec du katana. On est déjà sur une terme beaucoup plus originale. Ok, ouais, tu la décrirais comment? Bah déjà, je la décrirais un petit peu plus rouquine que celle qu'on a déjà vue. C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça. Rouquin, cuivré, ouais, je suis jusque là, je suis ok, ouais, ok. Le nez, vas-y, parle-en nous, Antoine. Mais écoute, je trouve qu'on est assez sur quelque chose de soft. On n'a pas énormément d'odeur qui ressort. C'est pas très puissant. Je sens le côté, il y a du fruit. À définir après derrière, mais je sens qu'il y a une petite teinte légèrement fruitée. Je dirais comme si t'avais une petite flair des champs, genre ouais. Très très léger. Ouais, floral, je suis d'accord. Floral, léger, mais c'est pas un gros peps quoi. Tu es pour le coup la coco là. Ouais. Vraiment la noix de coco. Ouais, ouais, non, c'est clair. La coco, elle y est, hein, ils ont pas menti. Hein. On est sur la Coco Katana. Et pourtant, c'est amené par ce fameux goût. Oh non! De toute manière, une fois qu'il est gâté, là, c'est bon. Revenons à nos bulles de mouton. Donc la Coco Katana amenée par le houblon sabro, est-ce qu'on a autre chose à part cette teinte de coco, mon cher Barbier? Ouais, je suis d'accord. Il y a un côté assez agrume mais qui justement est assez neutralisé par la coco. Ouais, ce qui donne un côté hyper, frais, plat et rafraîchissant. Totalement. Qui pour certaines autres bières ont vraiment trop ce côté sucré qui ressort. Ouais, là, exactement. Tu gardes quelque chose d'assez amer et quelque chose d'assez... voilà. Ouais, il a tout dit, hein. on a ce fruit là, la teinte coco qui ressort, le côté légèrement herbacé, on est à 8,5 degrés, le côté alcooleux on l'a pas, honnêtement on le sent pas du tout, enfin on n'en a pas parlé en tout cas, l'amertume aussi, on est vraiment sur une bonne double IPA qui a du coup son caractère assez particulier amené par le sabro, du coup le côté coco, qui ravira du coup toutes les personnes qui aiment bien tout simplement l'IPA et la double IPA en particulier.